Alors, dans cette vidéo que nous avons concoctée avec Benjamin Rasti, on va donner les principes des réseaux de neurones convolutionnels, qui sont les principaux réseaux de neurones qu'utilisent toutes les architectures de deep learning. Alors, bon, tout d'abord, les principes de ces réseaux date de très longtemps, comme ça a été dit dans les vidéos d'introduction, et prenait même la forme de composants électroniques, hein, grosso modo une sorte de seuil, une fonction d'activation qui faisait un seuil. On faisait la somme x fois w, là, donc d'un certain nombre d'entrées électriques qu'on met à l'entrée de notre réseau de neurones, fois w, et puis on prend une décision à la sortie. Alors au début, bah, les poids étaient ajustés manuellement, puis progressivement, quand on a pu aller vers les ordinateurs, on a pu rétropropager les erreurs et donc ajuster les poids automatiquement pour faire en sorte que l'ensemble du réseau de neurones, eh bien, prenne les bonnes décisions. Alors cet algorithme de rétropropagation, il est venu bien plus tard, en 86, et grosso modo, cette notion de dérivée de la fonction de loss dont on a parlé dans les principes d'optimisation, eh bien, elle va prendre la forme d'un algorithme particulier qui va rétropropager progressivement les erreurs dans les réseaux de neurones, qui sont des réseaux dans lesquels il y a des couches qui sont connectées les unes derrière les autres, mais qui ne connectent pas de couches si elles ne sont pas consécutives. Et donc, il y a un algorithme spécifique de backpropagation de l'erreur qui permet de manière efficace d'ajuster les poids pour faire en sorte que le réseau atteigne bien la tâche voulue. Alors le premier réseau de neurones convolutif est paru dans les années à la fin des années 90 et prend cette forme-là qui est disséquée dans un des TP, un des premiers TP qu'on vous propose pour la reconnaissance de l'être. Donc on le doit notamment à Léon Bodou, Yann Le Cain et puis Bengio et Hafner. Donc il prend une image. Et puis, il va y avoir une étape de filtre de convolution qui va être appliquée. Donc, on a rappelé ce que c'était que la convolution, hein, c'est-à-dire une combinaison, chaque pixel va être remplacé par une combinaison linéaire de ses voisins, donc avec une taille de petite imagette qui vous est représentée ici, qui va être balayée sur l'ensemble de l'image. Et puis, on concatène plusieurs sorties parce qu'on va autoriser à ce qu'il y ait plusieurs filtres convolutifs qui soient appliqués. Donc un, par exemple ici, dans le image maps, on a un, deux, trois images. Et puis, une fois qu'on a fait ça, on va appliquer ce qu'on appelle une non-linéarité, qui correspond à la fonction, qui mime ce que fait la fonction d'activation dans les réseaux dans les neurones biologiques, c'est-à-dire une sorte de seuil, quelque part, qui va activer seulement si l'information est importante, et ne rien donner si l'information n'est pas importante. Donc on avait souligné le fait que ça soit une force de ces réseaux de neurones d'avoir une prise de décision qui n'était pas seulement à la fin, mais quelque part déjà intermédiaire et distribuée sur l'ensemble du réseau. On voit des fois que ces cartes, ensuite, elles sont réduites de dimension. Ça permet à ce que, en gardant la même taille de l'imagette de convolution, à ce qu'on voit un environnement qui soit plus large. Donc si au début, par exemple, la petite imagette correspondait à un œil, on va apprendre ce que c'est qu'un œil. Et puis, si je réduis la taille de l'image par deux, eh bien, je vais voir un contexte plus grand, par exemple les deux yeux, et ainsi de suite. Et à chaque fois que je vais réduire comme ça, je vais embrasser un contexte qui est toujours de plus en plus grand. Bien sûr, je perds en résolution, mais ce n'est qu'en apparence seulement, puisque tout est interconnecté, et donc j'ai bien accès à ce qu'il y avait comme information dans l'image de départ par l'interconnexion du réseau. Donc on a des effets de subsampling, de sous-échantillonnage, qu'on appelle aussi max pooling, sur lesquels on va revenir dans cette vidéo. Et puis à la fin du réseau, on retrouve un réseau classique dit fully connected, où on a réduit l'image à quelque chose de tout petit, dans lequel il n'y a plus vraiment de contexte spatial à intégrer supplémentaire. Et donc ben, ce qu'on va faire, c'est que on va déplier l'image, la mettre comme sous la forme d'un vecteur, et puis on va ensuite interconnecter l'ensemble des pixels les uns avec les autres pour prendre une décision à la fin. Par exemple, si on veut compter les chiffres entre 0 et 9, eh bien, on va avoir 10 classes à la sortie pour prendre une décision sur cette classification. Voilà, grosso modo, expliquer l'allure de ces schémas que vous voyez depuis le début des vidéos sur votre cours de deep learning.
Alors, ces architectures, on peut les voir en deux étapes qui correspondent finalement à la manière classique dont on faisait le traitement d'image avant. C'est qu'on a d'abord toute cette partie convolutive dans laquelle on va finalement extraire des features, et puis la partie fully connected, pleinement connectée, qui correspond à l'étape de classifier. D'ailleurs, on pourrait mettre un random forest ou un autre classifier ici. L'intérêt de mettre un fully connected, c'est qu'on est sur un réseau de neurones, et donc on connecte des neurones avec des neurones, et on va pouvoir faire une optimisation de l'ensemble des poids, parce qu'ils s'expriment dans le même langage. Alors que si on mettait eh bien, un random forest ou un vecteur support ou d'autres classifieurs, eh bien, on n'aurait pas cette possibilité d'optimisation de bout en bout. Là, on va avoir une optimisation de bout en bout, puisque tout s'exprime sous forme de neurones, tout s'exprime sous forme de poids qu'on peut rétropropager entre la fin, la partie classification, et la début, la partie extraction. Ce qui fait que c'est bien la promesse qu'on nous avait dit, que à la fois l'extraction de features, la manière dont on va mettre des nombres sur les images et la manière dont on va prendre des décisions, eh bien, est faite de manière intégrée et complètement automatisée par la machine. Donc, on va rentrer un petit peu plus dans le détail du fonctionnement de ces réseaux de neurones convolutionnels à la manière suivante. Déjà, donc, ce que c'est qu'une couche convolutionnelle, donc convolutional layer. Donc, on va, admettons qu'on prenne l'image en entrée, qu'on a une image de 32 par 32 par 3, donc 32 par 32 pixels, et puis 3, ben, c'est l'épaisseur, ça veut dire c'est le nombre de composantes qu'on met à l'entrée. Par exemple, si on a une image couleur, on va avoir 3 composantes. Si on avait un nuage de points issu de lidar, on aurait également 3 composantes, et ainsi de suite. Alors, si on a une image avec 3 composantes, il va falloir faire un filtre qui a aussi en épaisseur 3 composantes. On va donner une certaine taille à ce filtre convolutionnel, donc typiquement 3 par 3, 5 par 5, 7 par 7. Souvent, on ne joue pas sur cet hyperparamètre et on part du filtre le plus petit, 3 par 3. Mais donc ici, dans l'exemple, on est bien 5 par 5. Donc, il faut absolument que l'épaisseur de ce filtre soit la même que l'épaisseur de l'image. Et très souvent, dans les codes, quand on les reprend, on peut avoir des messages d'erreur quand on les exécute parce que peut-être le code a été optimisé par exemple pour des images couleur et que nous, on a des images en noir et blanc. Et donc si on reprend le code, eh bien, on va avoir un message d'erreur du fait qu'on n'a pas la bonne profondeur à l'entrée. Une astuce classique consiste à répéter en fait les trois composantes en niveau de gris pour avoir la même taille si on ne veut pas tout reprogrammer ou tout réapprendre le réseau. Alors la convolution, eh bien, c'est ce qu'on a vu précédemment hein, dans cette vue en tranche, où on va avoir ce petit noyau de convolution qui va être balayé sur l'ensemble de l'image, avec les poids W, qui sont les coefficients qu'il y a dans cette petite imagette de noyau de convolution, fois X, qui est la donnée image, plus B, qui est le biais. On se souvient qu'on avait introduit un biais. Ce biais, grosso modo, dans le neurone biologique qui sert justement à positionner les données par rapport au seuil de la non-linéarité qui va venir derrière. Alors ici, quand on fait cette convolution, on obtient ce qu'on appelle une carte d'activation, c'est-à-dire le résultat de l'opération de convolution, alors qui est toujours un petit peu plus petite que l'image de départ. Pourquoi? Parce que quand on fait une noyau de convolution, vous voyez qu'on ne va pas pouvoir traiter l'ensemble de l'image, grosso modo, puisqu'il faut prendre un voisinage. Les pixels qui sont sur le coin ne vont pas pouvoir être traités de la même manière que ceux qui sont au cœur de la meule, au cœur de l'image, si on peut dire. Et donc, ici, eh bien, de fait, de la taille du filtre, on va partir de l'image de 32 par 32 et arriver à l'image 28 par 28. Et on n'a plus qu'une épaisseur parce que les trois couleurs ont été combinées, et la manière dont elles étaient combinées est aussi optimisée par le réseau. Alors, on peut décider de réappliquer d'autres filtres qui pourront, lors de l'optimisation, obtenir d'autres composantes. Grosso modo, autant de filtres qu'on pense qu'il y a de variabilité dans notre image. Donc voilà, on a déjà vu cette étape de convolution qui peut être réalisée facilement. Et donc, par exemple, ici, si on a réalisé 6 filtres, on part d'une image 3 par 32 par 32 et on arrive à la fin à une sorte de ce qu'on appelle un cube de données ou un tenseur qui fait 28 par 28 par 6 filtres. Et donc la nouvelle data qu'on va obtenir
correspond à la réponse de l'image à tous ces filtres et constitue une sorte de cube de données qui va ensuite être passé à une prochaine couche de neurones. Alors avant cela, il y a quand même une étape importante, c'est qu'il va falloir prendre une non-linéarité. Parce que si on ne faisait que combiner linéairement les données, grosso modo, on remettrait ça, on ferait un changement de base, on tournerait un peu les données, mais il ne se passerait pas grand-chose. Il y a l'idée qu'il va falloir prendre une sorte de décision pour décider qu'est-ce qui va être important dans ce stack de données. Donc, on va appliquer à cela, eh bien, non pas uniquement la convolution, mais aussi une opération non-linéaire. Et parmi les opérations non linéaires classiques, il y a donc la fonction d'activation la plus courante, n'est pas le seuil qu'on a présenté plus tôt, ni la tangente hyperbolique, mais plutôt une courbe d'activation de type diode, rectifier linear unit, c'est-à-dire en dessous du seuil, on a zéro, et au-dessus du seuil, on est linéaire. Donc grosso modo, tout ce qui a des petites valeurs, on ne va pas le garder. Et tout ce qui, après convolution, a retenu beaucoup l'attention des neurones, hop, on va les garder à la valeur initiale qu'avait l'image de départ. Et donc, dans les réseaux de neurones, vous allez avoir la concaténation d'opérations comme ça, convolution, non-linéarité, relou, convolution, non-linéarité, relou, et ainsi de suite. Et à mesure qu'on va plus profondément, on voit qu'on va réduire progressivement la taille de l'image, mais aussi, on va élargir la profondeur de cette image, au début 3, 6, 10, etc. Ça signifie quoi? Ça signifie que, par exemple, au début, on va faire ressortir des motifs de type bord. Par exemple, si on veut voir les yeux, on va voir ou un visage, on va voir le nez, les sourcils, etc. Donc là, on va ressortir des bords. On a une grammaire qui peut être assez pauvre, donc on va avoir peu de filtres. Et puis, à mesure qu'on prend plus en plus de contexte dans l'image, eh bien, on va augmenter la diversité pour avoir de l'expressivité sur la manière dont ces éléments de base de l'image peuvent être combinés les unes avec les autres. Donc, c'est ce que dit ce slide ici. On va avoir au début des features qui vont faire ressortir des petits éléments. Puis, à mesure qu'on va intégrer du contexte dans l'image, eh bien, on va voir des motifs associés de plus en plus de contexte et pouvoir arriver à faire des filtres à la fin qui correspondent aux motifs qu'on cherche dans l'image. Des pneus de voiture, des têtes de chat, de chien, etc. Et donc, c'est ce genre de filtre qu'on n'a pas eu à fabriquer au départ from scratch. C'est la machine à la main, on va dire. C'est la machine qui, from scratch, pour le coup, a créé ces filtres typiques qui correspondent aux motifs qui sont d'intérêt pour la tâche informationnelle qu'on souhaite réaliser. Donc, maintenant, quand vous voyez ce genre d'architecture, eh bien, vous êtes capable de comprendre un peu de quoi il s'agit. Je prends une image. Ici, dans mon architecture, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fils de convolution. Ensuite, je les passe à travers un relou. Donc, je vois que je ne garde que les niveaux de gris qui sont au-dessus du seuil. Et puis, j'enchaîne une nouvelle convolution, relou. Et alors, il y a certains points qu'on n'a pas encore bien explicités qui sont le pool, ici, et puis la fully connected. Donc, c'est ça qu'il nous reste à voir pour que vous soyez à même de comprendre complètement ces architectures et les réseaux de neurones. Alors, avant ça, on va regarder un petit peu les dimensions spatiales, la question des dimensions spatiales. Donc, ici, admettons qu'on ait un filtre, une image de 7 par 7 et qu'on prenne un filtre de 3 par 3. Donc, quand on va faire la convolution, on va avoir le filtre qui va se basculer comme ceci, ce qui fait qu'à la sortie, hein, j'avais dit, il y a une réduction de dimension, on va se retrouver non plus avec du 7 par 7, mais du 5 par 5. Alors il y a un paramètre qu'on peut jouer, c'est le stride, c'est-à-dire c'est le saut qu'on va faire entre deux convolutions. Si on prend un stride de 2, donc on saute de 2, clac, on va avoir une sortie de 3 par 3. Et puis si on prend un stride de 3, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, on va avoir une erreur, puisqu'on ne peut pas sauter de 3. Ce qu'il faut faire à ce moment-là, hein, ça ne colle pas au niveau des dimensions. Donc ce qu'on fait à ce moment-là, c'est qu'éventuellement on peut rajouter des zéros sur les bords si on veut faire un saut un petit peu plus grand. Bon, il est rare qu'on joue avec ce paramètre de stride. On a plutôt tendance à garder un stride de 1, de décaler de 1 pixel. Alors, on a nos, on
a notre réseau. Et puis, alors on peut se poser la question du volume de données. Donc ici, on a un volume de 32 fois 32 fois 3. On a 10 filtres de 5 par 5 avec un strike de 1. On va éventuellement rajouter un petit peu de zéro padding pour ne pas réduire trop la dimension des images. Et donc, la taille de ce qu'on va avoir après cette étape de convolution, ça va être du 32 fois 32 fois 10 ici. Alors, plus important que la taille du tenseur, et ça peut être utile quand on écrit le code néanmoins, c'est le nombre de paramètres que le modèle va avoir à apprendre. Donc, le nombre de paramètres que le modèle va avoir à apprendre n'est lui pas relié à la taille de l'image. Le volume du tenseur avant et après convolution, lui, il est lié à la taille de l'image, mais le nombre de paramètres que la machine va avoir à apprendre, lui, il est lié à la taille du filtre, puisque ce que la machine va avoir à apprendre, c'est les poids qu'il y a dans cette petite imagette de 5 par 5. 5 par 5 multiplié par 3, puisqu'on avait 3 couches au démarrage, plus 1 pour le biais, donc ça nous fait 76 paramètres, et comme on a appris 10 filtres, et bien ça nous fait 760 paramètres. Alors il nous reste, comme je disais, deux types de couches à apprendre, le pool et le fully connected. Alors le pooling, il peut être très important pour justement permettre de réduire progressivement la taille de l'image. On a vu qu'elle réduisait par l'effet de la convolution, mais si on veut vraiment intégrer davantage de contexte, eh bien, il va falloir décroître la taille de l'image et garder la taille du filtre. On aurait pu aussi augmenter la taille du filtre, mais ça revient à augmenter le temps de calcul de manière importante, puisque ces opérations de convolution, ce sont elles qui nécessitent notamment l'attaque avec un GPU, avec une carte graphique. Donc ce qu'on fait, c'est plutôt qu'on réduit la taille de l'image par un facteur de 2. Donc on en a notre image de 220, une image par exemple de 224 par 224 qui va, après une opération de pooling, passer à une image de 112 par 112. On ne touche pas au nombre de filtres, le nombre de filtres reste le même, c'est juste la résolution spatiale qui va être divisée par 2. Et on va garder par contre la même taille des noyaux de convolution dans les couches après. Ce qui signifie que, bah, de fait qu'on a réduit la taille de l'image, le noyau, lui, il va avoir un contexte qui est plus grand. Donc c'est comme si on avait reculé devant le tableau d'une certaine manière et qu'on regarde toujours avec nos mêmes filtres de convolution, ce qui fait qu'on embrasse un contexte qui est plus grand. Donc cette opération de max pooling, elle va être la suivante. Si j'ai une image de 4 par 4 et que je fais un max pooling d'un facteur de 2, donc parmi les imagettes là de par 2, je vais prendre la plus grande valeur. Donc ici 1, 1, 5, 6, je vais le remplacer par le 6. 2, 4, 7, 8, je remplace par le 8. 3, 2, 1, 2, je remplace par le 3. 1, 0, 3, 4, je remplace par le 4. Alors une fois qu'on a bien réduit progressivement la taille de nos images, à la fin, bah, quand il n'y a plus de contexte spatial, ce qu'on peut faire, c'est déplier l'image et puis mettre ça à l'entrée de ce qu'on appelle un fully connected. Donc c'est un réseau de neurones classiques, comme on l'a vu dans la vidéo sur TensorFlow Playground. Alors un certain nombre d'astuces peuvent être utilisées entraîner ces réseaux. De ce fait, hein, on l'a vu, ils vont avoir un grand nombre de paramètres. Et donc, il y a un certain nombre d'astuces qui peuvent être notamment de ce qu'on appelle le transfer learning, c'est-à-dire que on va pouvoir finalement recopier les poids de certains réseaux, en tout cas sur un certain nombre de couches, et ne pas avoir à les réentraîner. Donc, c'est ce qu'on appelle le transfer learning. Il se trouve que on a un certain nombre de réseaux déjà entraînés, donc certains dont on a parlé, VGG, Inception, DanceNet, ResNet et autres, qui sont déjà disponibles et entraînés sur la base d'images d'un million d'images, ImageNet. Et donc ça, c'est comme des connaissances, on va dire universelles, sur comment reconnaître des objets dans les, comment classifier des images d'objets qu'on peut voir dans la vie de tous les jours. Et ces poids peuvent tout à fait être réutilisés, au moins sur un certain nombre de couches, les premières couches qui sont toujours un petit peu les mêmes,
pour finalement éviter d'avoir réentraîné le réseau de neurones. Voilà pour cette vidéo et donc à bientôt pour la suite.